Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, Mbotena Binobanso, Bandeko, Bayimboka, Bazalendo, Bisoyonso Bazalendo, ça veut dire les patriotes. Hamujambo, voici Kiziwa Lugala, Kiswahili, Banabet Moyen, Bonsou, Banangani, Bateleji, Bamwakulua, Bakamboa, Mwakulua. Bonjour, Bansantou. Mouat. Il y a un mot qui me pète. Bon, bête. Moi, je suis un peu. Ah, vous entendez, notre pays est riche, hein? Nous avons beaucoup de langues. Ok. Alors, on passe au sujet du jour. Chers compatriotes, nous avons un invité aujourd'hui. L'invité, c'est Dieudonné Kimbadi Passou, un ancien administrateur de territoire. Il a quelque part eu une expérience de géopolitique aussi, nationale. Donc, nous allons un peu comprendre à sa façon ce qu'on appelle le projet d'accord militaire. Il y a polémique, ce projet a été publié il y a quelques jours par la RTBF en ligne. C'était repris par FoxTimes.cd et maintenant le ministre ad intérim, on peut dire, hein, parce qu'ils expédient les affaires courantes, Patrick Mouyaya, qu'est-ce qu'ils nous dit? Aucun accord de coopération militaire n'a été signé entre la Russie et la République démocratique du Congo. Et puis, on commentera aussi sur la position de la Belgique. La Belgique vient aujourd'hui d'entériner ou de commencer même les exercices de formation d'une brigade rapide à Kindu. La Belgique est-elle dans notre camp? Ou la Belgique veut juste montrer patte blanche? Voilà, cher compatriote Kimbadi, Omonindayeni, Balobi qui est encore exaté, mais dans le journal Tasso, il y a Russie bah, publié que bah, Zongeli projet Wana, bah, Fungoli Ango, Omonindeni. Merci Ndeko Symphorien. Ministre à l'intérim à Lobby, il n'y a pas un accord militaire signé. Il peut avoir raison. C'est un projet. Il faut savoir spécifier entre le projet et un accord. Un projet d'accord et un accord. Et d'autant plus que ce projet d'accord a été initié à l'époque de Moussé Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, qui, vous savez, c'est un homme, c'est un marxiste et nationaliste, qui à l'époque, quand a commencé l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais, il voulait tisser ses liens avec ses amis de la Russie comme de Cuba. Et ce projet n'a jamais été ratifié. Maintenant, quand le journal officiel de la Russie publie ou active ses projets, nous sommes dans quel contexte? Il y a plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais, on dirait même pas par les Rwandais, mais par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par l'Union européenne. Par l'OTAN. Par l'OTAN, qui utilise les Rwandais. Et les Rwandais envoient sur le terrain congolais ces bras armés de M23.
Pendant plus de 30 ans, la République démocratique du Congo, a toujours été fidèle à ses alliés traditionnels, dont les États-Unis et l'Union européenne. Dès l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il a sillonné le monde pour chercher, toquer à la porte de ses amis, aux Américains, aux Européens, pour dire « Voilà, je suis agressé, vous êtes mes amis, venez à mon secours. » Personne n'a pipé, personne. Maintenant que la Russie brandit ses projets, d'accord, il faut se mettre dans le contexte de la géopolitique actuelle. Les États-Unis, l'Union européenne sont derrière l'Ukraine qui fait la guerre ou bien qui est attaquée par la Russie. Et nous savons très bien que ces pays européens ont leur soutien, ont leur force en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, vous avez vu ce qui s'est passé. Et la Russie a saisi l'opportunité, suite au contexte géopolitique, pour sortir de son armoire les projets d'accords militaires laissés par Mouzet au profit de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, quand vous sondez l'opinion demandait chaque fois au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de chercher les Russes, de faire comme le pays de l'Afrique de l'Ouest pour sauver le pays. Mais on peut se poser la question, pourquoi à ce moment, pourquoi ils choisissent ça et pourquoi le ministre dit qu'il n'y a jamais eu d'accord. Il faut savoir aussi que nous sommes en politique. Tout ne se dit pas sur la place publique. Il y a encore la Russie qui est quand même un État très sérieux, avancé, ne peut pas faire sortir cet accord au hasard. Et la République démocratique du Congo qui est lésée par la guerre à l'est de son pays ne peut pas croiser aussi non plus le bras pour chercher des soutiens extérieurs. Voilà un peu dans les contextes dans lesquels on peut analyser cette situation. Mais n'oubliez pas que nous sommes en politique, n'oubliez pas qu'il y a la continuité de l'État. Donc, on peut un peu essayer d'analyser dans ce sens-là. Je peux vous éclairer le public particulièrement en détail ce que le ministre Patrick Muyaya a dit. Donc, selon lui, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance par voie de presse de l'approbation le 5 mars 2024 du principe d'un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie. De ce fait, il tient à faire la mise au point suivante. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée par les deux parties en 1999 ou 1999. Si vous voulez, depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. Alors, ça surgit aujourd'hui. Le projet d'accord de coopération en question est une démarche initiée. Oui, voilà. C'est à peine que le gouvernement russe, ce qu'il vient de dire, le gouvernement russe l'a même publié sur à l'agence russe de... à l'agence de, russe de presse. Oui, TASS. TASS. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. Je m'arrête là. Vous avez bien suivi? Et ça ne plaît pas à nos ennemis. Ça ne plaît pas à nos ennemis.
Voilà, notre compatriote Dieudonné Kimbali vous a un peu éclairé, il vous a donné sa position. Il a dit, attention, la politique c'est de la politique. Patrick Muyaya peut parler dans le sens d'apaiser les uns et les autres. Voilà. Nous passons maintenant à l'article suivant. Pourquoi la Belgique s'empresse à l'entraînement de la brigade rapide Akindou? Oui, concernant la Belgique, moi j'ai un avis contraire. La Belgique a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo. Vous savez, récemment, la Belgique a formé la police nationale, les policiers de notre police nationale à Lubumbashi. Je ne crois pas que la police et la Belgique s'empressent pour le moment. La Belgique a toujours eu des accords de formation militaire et policière, d'envoi des instructeurs sur le terrain et d'assistance sous une forme ou une autre. Donc, la Belgique reste toujours à côté de la République démocratique du Congo dans cette formation. Mais pourquoi la Belgique ne sanctionne-t-elle pas directement le Rwanda? Si vous avez suivi, les sanctions, c'est tout un processus. Il y a plusieurs paramètres. La Belgique se trouve dans un ensemble de l'Union européenne. Ce que la Belgique peut faire ne peut être lié qu'aux directives de l'Union européenne. Elle ne peut pas se désolidariser de la politique de l'Union européenne. Mais la Belgique appelle à chaque fois, je vis encore récemment la ministre des Affaires étrangères, demander au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Quant aux sanctions, ça c'est autre chose, c'est un processus, il faut des concertations avec ses partenaires européens pour sanctionner. Et vous savez que ces côtés-là, il n'y a toujours pas d'accord entre le pays de l'Union européenne. Ils se battent d'une façon ou d'une autre. Mais ils sont divisés. Hein. Ils sont divisés. Par exemple, la Hongrie est avec nous. Voilà, ils sont divisés et pourtant, il y a un principe de consensus au sein de l'Union européenne pour prendre des décisions comme les sanctions contre un État. Mais la Belgique reste toujours, au niveau du domaine de formation, la Belgique reste toujours à côté. C'est un allié traditionnel de la République démocratique du Congo. Nous validons, la Belgique est avec nous. Pour preuve, ils sont passés directement à la formation d'une brigade rapide à Kindu. Et ça a déjà commencé en ce moment. Et voilà, pour le reste, la Belgique fait partie de l'Union européenne et préfère concevoir ses sanctions contre le Rwanda ensemble avec l'Union européenne. Mais ce sera difficile. Vous savez que les grands de l'Union européenne comme la France, l'Allemagne, ils sont contre nous, ils continuent à aider le Rwanda, mais c'est perdu d'avance, chers compatriotes, c'est perdu d'avance. Nous avons l'Afrique du Sud qui est avec nous, qui dit Afrique du Sud, dit Russie, BRICS, etc. Ils sont avec nous. Voilà, chers compatriotes, concernant les rumeurs, parce que vous savez, notre philosophie ici sur notre chaîne, c'est de parler aussi des rumeurs et de ce qu'on lit, on voit dans le net. Voilà. Il y a en ce moment Vital Kamerhe qui est dans une position ambiguë. Donc une position qui nous fait peur, qu'il soit de nouveau nommé ministre. Il menace, il lance des menaces. Que pensez-vous des menaces de Vital Kamerhe qui dit qu'il peut faire tomber Bukavu même avant Goma si lui ne parvient pas à gouverner
la province du Sud Kivu, c'est-à-dire l'UNC ou le candidat que lui va proposer. Alors que parmi ces députés-là du Sud Kivu, c'est l'AFDC qui est en tête avec 12 députés. L'UNC, 11 députés. L'UDPS, 11 députés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais d'abord parler du Grand Kivu. Le Grand Kivu, c'est le ventre mou de la République démocratique du Congo. Le Grand Kivu, c'est le ventre mou. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema. Voilà. Ouais. Alors, le leader du Grand Kivu ont toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Je ne dis pas que tous, mais certains grands leaders ont toujours joué ces jeux-là. Mais l'ancien gouverneur nous dit que c'est la majorité d'entre eux. Voilà. Ils ont un pied dedans, un pied dehors, parce que la majorité d'entre eux sont des millionnaires et qu'ils ont tous ces millions, tout cet argent se trouve dans les banques du Rwanda et non pas dans les banques du Sud Kivu. Mais c'est ce que je dis, qu'ils ont un pied au Congo et un pied dans les pays limitrophes, Rwanda, Burundi, Kenya, tout ça. S'agissant personnellement de Vital Kamerhe, c'est un homme qui a des ambitions. Qui a des ambitions, je ne peux pas dire des ambitions démesurées, puisqu'en politique, il faut avoir toujours des ambitions. Mais le problème de Kamerhe, c'est de trahir toujours. C'est un homme intelligent, c'est un homme malin, falin, mais c'est toujours de trahir la nation. Et pourquoi il menace? Pourquoi il menace? Et pourquoi il choisit seulement de diriger les Sud Kivu? Le Sud Kivu. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont des questions. Il y a un guise sous roche. Pourquoi il choisit seulement l'INC? C'est un parti national. Moi-même, je suis un ancien de l'INC. L'INC, c'est un parti national qui est partout. Pourquoi ne pas choisir de diriger, par exemple, les Bas-Congo? Et il veut absolument que son nom, malgré le résultat des élections, que ça soit un de ces hommes qui dirige le Sud Kivu, qui est à la frontière avec les Rwandais. Le Sud Kivu, où il y a un problème de rebelles. Le Sud Kivu, où il y a un problème de territoire qui pose problème. Là, on parle de Moulengue. Pourquoi il choisit seulement d'être là? Donc, et pourquoi il doit menacer? Pourquoi il doit menacer? Cela montre effectivement qu'il y a quelque chose qui se cache. J'ai suivi son petit frère qui l'accusait. Et à partir de ces accusations, on peut déjà déduire que voilà, il y a un autre plan qui se cache derrière les ambitions des Kamerhe. Et quand il dit de faire tomber Bukavu, lui qui est leader, qui est un homme qui a été élu par la population, qui veut faire tomber sa propre province, voilà, contre le rebelle, mais je me demande, il veut livrer sa population qu'il a élue, à la rébellion. Voilà. Qu'est-ce qu'il gagne dans ça? La vengeance. La vengeance contre qui? Parce que il n'aura pas été élu gouverneur du Sud Kivu, c'est-à-dire son candidat ou le parti UNC. Il doit se réviser, à mon avis. D'abord, le fait de faire tomber, dire que je veux faire tomber le Kivu, automatiquement, il perd un peu de crédit. Ça sous-entend que il est en contact. Il est en contact. Il a des voies de communication avec ces personnes-là. Ouais. Il connaît ses propres capacités.
capacités. C'est pour ça qu'il hausse les épaules. Il montre ses biceps. Quelqu'un qui parle comme ça montre ses biceps. Mais moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours donné un exemple et je dis voilà, tous ces Congolais qui trahissent ils ne savent pas. L'AFDEL est entrée en 90, en 97 avec plusieurs Congolais manipulés. Et si vous regardez, beaucoup de Congolais qui sont entrés avec l'AFDEL sont morts. Mais si vous prenez les ténors rwandais qui étaient venus accompagner l'AFDEL, ils sont tous en vie. Et ça peut faire réfléchir les Congolais à quitter le pays et s'allier aux rebelles. Prenons Bizima est venu, il est en vie. Bouguera est là, il est en vie. Et Robert Roy est en vie. Ils sont nombreux. Mais si nous prenons, nous comptons le nombre de Congolais qui ont trahi la nation et qui sont morts, ils sont nombreux. Permettez, la batterie est faible, permettez. Ça risque de couper. Un instant, s'il vous plaît, sinon tout risque d'être coupé. Voilà. Ça y est, c'est rétabli. Donc, caméra. Il ne doit pas mener sa lutte sur des menaces ou bien sur des trahisons. C'est ce qui fait qu'il a été beaucoup aimé par les Congolais. Mais le fait de trahir, de faire des choses, si vous parlez de caméras, les gens murmurent même sans dire quelque chose. Mais le grand problème, le président lui fait confiance. Ça, c'est la politique. Tu sais comment il a toujours parlé de Caméry? C'est politique. C'est politique, mais il faut voir mais l'opinion. Je pense qu'il risque de perdre sa popularité si nous apprenons que Vital Caméry a été nommé ministre de tel ou tel, je ne sais pas, tel ministère. Le peuple n'a pas confiance en lui. D'ailleurs, il a un passé de voleur. Il a été innocenté, ça ce n'est pas un problème. Non, être innocenté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Le problème qui est là, c'est que d'après les juges ou les avocats, il n'y a pas de preuves, des preuves tangibles comme ça. On ne l'a pas attrapé avec de l'argent en main. Mais on a parlé d'un vol intellectuel, que le détournement, c'est un vol intellectuel, ils l'ont dit. Ils l'ont condamné. Et nous avons vu son neveu brandir des liasses, donc une montagne de liasses, 2 millions de dollars dans son appartement. Et son bébé jouait avec ça. Il a fui. Il a abandonné des jeeps dans les rues. Il est parti se cacher dans une ferme. Donc il se reprochait quelque chose. Voilà. Caméry, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui peut travailler. Son problème, c'est il est biface. C'est vrai, il a ses ambitions, mais il ne peut pas jouer sous ce jeu-là. Et surtout pas menacer, parce que dans un pays sérieux, dire que je dois, si vous ne me nommez pas, l'équipe doit tomber, il serait déjà aux arrêts. Ah, il serait déjà aux arrêts. Il serait déjà aux arrêts. Mais parce que le Congo, avec ses combines politiciennes, c'est comme ça qu'il... Quand vous dites que je fais faire tomber l'équipe, ça signifie que vous avez tous les moyens tous les contacts, vous êtes en communication avec l'extérieur ou vous avez des foyers, des rébellions quelque part, c'est que nous on appelle... À l'époque de Mobutu, vous parlez comme ça, c'est qu'on vous appelle plus libre. Il y a des cellules dormantes, ces cellules dormantes qui peuvent actionner ça. Automatiquement, le service de renseignement doit vous intéresser à ces propos-là. En ce net moment, Vital Caméry devrait être déjà...
en résidence surveillée. Notre pays, notre régime est laxiste, laxiste, trop laxiste. Si on se débarrasse de Kamere, le Congo va toujours continuer. Kamere n'a pas été le seul à battre campagne pour le président de la République à l'Est. Il y a eu Moïse Dzangi, il y a eu Modeste Bahati, et les autres aussi. Voilà. Moi, je voudrais qu'on parle de la République, pas des individus. Qui. C'est la République, c'est l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo. Mais avant Kamere, avant Tshisekedi, il y a eu des gens. Et après, et il y aura des gens. Hier, on avait Kabila. Aujourd'hui, il n'est pas là. Lui-même, Kamere, il avait écrit son livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila ?» Il sait pourquoi. Mais il ne doit pas menacer la République. Il doit se regarder et se dire que voilà, ce pays m'a tout donné. Je dois aussi lui rendre le service démocratique. Mais pas prendre, pas enfoncer le couteau sur la plaie que nous avons déjà à l'est du pays. Voilà. Donc, il doit se réviser, à mon avis, parce que d'ailleurs, on avait déjà oublié le cas Kamere avec le temps qui a passé, les élections, mais quand il a créé son truc là de. Comment on appelle ? Le PCR. Et moi, j'appelais ça police de contrôle routier. Il voulait contrôler la République. Police de contrôle de la République. Parce qu'il voulait être premier ministre. Alors, c'était déjà quelque chose de n'est pas correct. Et il continue dans ça. Mais en politique, il y a. Parce que la politique est basée sur la confiance. Mais le chef de l'État aussi doit savoir qu'il y a la confiance et il y a le peuple qui lui a donné le mandat. Si nous suivons ce que la prière du pasteur Dalo au stade, il a dit, nous sommes fatigués de voir le voleur être nommé. C'est tout un message qui concerne aussi le professeur Kamere. Voilà, c'est ce que moi je peux commenter. Ok. Monsieur Dieudonné Kimbadi, chers compatriotes, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions de votre intervention. Et chers compatriotes, de temps en temps, vous vous habituerez à le voir à l'écran. Voilà, nous nous arrêtons là et nous disons comme toujours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci Rwanda pour tout, Miyambole.